Bonjour à toi qui es derrière ton écran, ici c'est Noël de KidCreaNet et aujourd'hui on va voir ensemble comment créer ce type de quiz avec le logiciel Keynote d'Apple. Le logiciel Keynote d'Apple, ça sert à faire des présentations, évidemment, hein, puisque c'est pour ça qu'il a été conçu à la base, mais on peut faire avec des vidéos, on peut faire des animations et on va utiliser tous les outils offerts par le logiciel pour créer un quiz de ce type. Donc comme on peut le voir ici, le quiz affiche 4 questions, il y a un petit timer qui va dérouler, qui va égrener les secondes en haut à droite de l'écran, et puis au bout d'un certain temps, donc au bout du temps écoulé, la bonne réponse apparaît. Allez, on saute tout de suite dans Keynote et on regarde ensemble comment créer ce type de quiz. Bien, donc on va lancer Keynote, et dans la fenêtre de dialogue qui s'ouvre, on va cliquer sur « Nouveau document ». Alors ici, il y a un paramètre qu'il est intéressant de vérifier avant de commencer à travailler, c'est le format de votre présentation. Alors ça dépend évidemment du matériel que vous allez utiliser pour projeter votre présentation ou votre quiz. Si c'est une vidéo qui est destinée à être diffusée sur YouTube par exemple, ou si vous avez un équipement de projection qui utilise des écrans larges, je vous invite à utiliser donc le format 16:9, hein, c'est le format télévision moderne, standard, donc c'est celui-ci qu'il faut utiliser. Par contre, si vous envisagez d'utiliser cette présentation via un matériel qui ne s'est pas projeté autrement qu'en 4/3, hein, 4/3 c'est le format des télé standards et de certains rétroprojecteurs, eh bien vous pouvez changer ici le format standard, ici 4/3, pour avoir des présentations plutôt un peu plus carrées comme ça, et non pas écran large comme au cinéma. Donc moi je vais rester ici en 16:9, parce que l'idée c'est de faire une vidéo par exemple pour la mettre sur YouTube, donc on va se mettre au format 16:9. Donc il y a plein de thèmes qui sont proposés, hein, comme vous pouvez le voir ici sur Keynote lorsque vous démarrez. Bon, ici on n'a pas besoin de grand chose, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un blanc classique, ici le thème le blanc classique, et donc je vais juste double-cliquer ici, ou alors même sur le blanc tout court, hein, enfin peu importe, on va prendre un thème standard, parce que de toute façon vous allez voir qu'on ne va pas utiliser les éléments fournis par ce thème. Donc je sélectionne ici le thème blanc et je fais créer. Me voilà donc sur mon interface de travail et on va pouvoir commencer à créer ensemble ce quiz. Alors la première chose, c'est que je vais effacer tout ce qui est présent sur mon écran. J'ai pas besoin de ces éléments là, je vais les effacer. On va utiliser une couleur de fond pour nos diapositives, donc pour modifier la couleur de fond de la diapo, on va sélectionner ici la diapo et on peut voir dans l'onglet format ici qu'on peut choisir le remplissage de cette diapositive. Donc on a le choix entre différentes couleurs, hein, on pourrait utiliser comme ceci des couleurs plutôt sombres, mais on a également la possibilité dans Keynote d'utiliser des fonds dynamiques, comme par exemple ce joli dégradé de toutes les couleurs. On peut modifier toutes les couleurs des dégradés qui nous sont présentés, hein, donc tout est customisable. Donc moi je ne vais pas utiliser ce fond dynamique là, vous voyez qu'il y a plusieurs modèles qui vous sont fournis. Donc je vais aller chercher ce fond-là, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai une petite animation, hein, qui va courir tout naturellement en arrière-plan sur ma diapositive. Et cette animation, on va pouvoir la paramétrer comme bon nous semble. Alors déjà, on peut modifier toutes les couleurs qui sont utilisées dans cette animation dynamique. Comme vous pouvez le voir, ici, on est plutôt dans des tons verts. Mais si je veux, par exemple, modifier ce vert-là et le rendre un peu plus bleu, bah, hop, je vais pouvoir comme ça modifier les couleurs qui sont utilisées dans ce dégradé de manière à ce que mon fond dynamique s'adapte par exemple à ma charte graphique ou à mes souhaits tout simplement. On va pouvoir modifier la vitesse de l'animation. Vous voyez qu'ici je peux passer de 45 à 100, donc là on voit ici qu'on a des choses un peu plus rapides qui opèrent à l'écran, donc je vais pouvoir la rebaisser un petit peu. On peut modifier l'amplitude des vagues, voilà, ici je peux comme ça décider si mes vagues sont plus ou moins hautes dans ma présentation. On va pouvoir modifier la longueur des ondes, donc ici je peux passer sur quelque chose de plus plat, ou alors au contraire de très, très chaotique, donc là je vais rester sur quelque chose d'un peu plat comme ça. Et puis on peut modifier la mise au point, donc vous pouvez voir ici que c'est un petit peu flou, mais je peux comme ça baisser cette mise au point pour la rendre très nette, enfin l'augmenter au contraire, ou alors baisser la mise au point de manière à rendre les choses très floues. Donc là on va par exemple rester sur quelque chose de très net, voilà, je vais modifier ça comme ça, modifier un peu l'amplitude, voilà, la vitesse on peut-être l'augmenter un petit peu, voilà. Donc voilà, là j'ai choisi donc le fond de ma diapositive. L'idée c'est qu'on aura ce fond sur toutes les diapos, hein, de la presse. On peut modifier ça diapositive par diapositive, bien sûr, hein, si on le veut, mais là en l'occurrence je vais laisser le même fond sur toutes les diapositives. L'idée de base pour la construction du quiz, de toute façon, c'est qu'on va créer une diapo. Cette diapo va contenir toutes les animations nécessaires pour la présentation des questions de notre quiz, et on n'aura plus ensuite qu'à dupliquer cette diapositive et à modifier le texte des questions, le texte des réponses, et vous allez voir l'emplacement de la bonne réponse un peu plus tard. Alors,
Comme on est en train de faire un quiz, c'est intéressant de proposer à l'utilisateur de voir les questions, enfin de voir quel est le numéro de la question en cours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les numéros de diapositive. Donc toujours avec la diapositive sélectionnée ici, dans l'onglet format, toujours pareil, on peut choisir au niveau de la zone aspect d'afficher le numéro de diapositive. Donc le numéro de diapositive vient de s'afficher ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, on va modifier un petit peu ce texte-là. Donc je sélectionne ici mon texte, je vais aller dans l'onglet « Texte » de la section « Format » ici. On va modifier la taille de ce texte, on va mettre 200 pixels. On va choisir une police que j'aime bien, la Montserrat, on va la mettre un petit peu plus gras ici. C'est un peu gros, 200, j'étais un petit peu gourmand, 150 ce sera très bien. Et on va choisir une couleur pour ce texte ici. On va cliquer ici sur la sélection de couleurs. Je vais prendre un jaune d'or comme ça. Voilà, ça ira très bien. Et je vais positionner donc ce numéro en haut à gauche de ma diapositive. De cette manière-là, à chaque fois qu'on aura une nouvelle diapo, on verra le numéro de la question qui apparaît. Donc là, si je copie-colle la diapositive, vous voyez qu'immédiatement ici, j'ai le numéro 2. C'est le numéro de ma diapositive. J'efface cette diapo et d'un point de vue séquentiel, maintenant ce qu'on veut voir apparaître, c'est la question, le texte de la question. Donc pour ça, je vais aller ici dans ma barre d'outils, insérer une zone de texte. Donc je clique ici, cette zone de texte apparaît au milieu et en noir. Donc on va faire quelques petites modifications de formatage. Donc déjà, on va changer la couleur, on va mettre ça en blanc. Donc je vais ici dans ma couleur de texte et je choisis le blanc. On va mettre toujours pareil sur ma petite police fétiche, le Montserrat. Je vais choisir black à nouveau. Et puis je vais augmenter un petit peu la taille. On va la mettre à 50. Non, c'est pas assez. 80. Voilà, 80, c'est pas mal. On va aligner ça à gauche. Voilà. Et on va l'aligner en haut, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais positionner ça à cet endroit-là. Je vais agrandir ma zone de texte ici, de manière à ce que, lorsque je tape du texte, ça descende et que ça ne sorte pas de ce bloc-là, parce que j'ai besoin de la place qui est ici, parce que la place qui est ici va accueillir mon timer. Donc je vais effacer ça et je vais marquer « texte de la question ». Voilà. Alors ce texte de question, on ne veut pas qu'il soit affiché à l'ouverture de la diapositive. Ce qu'on veut, c'est qu'il apparaisse avec une animation. Et donc pour ça, on va utiliser une animation sympa pour les textes, qui est l'animation clavier, qui permet d'afficher le texte comme s'il était tapé par quelqu'un. Donc je sélectionne ici mon texte, je vais dans le panneau animation, et je vais ajouter un effet d'entrée ici. Donc je clique sur entrée, et je vais choisir ajouter un effet. Là, je vais choisir l'effet clavier. Donc si vous voulez tester un effet avant de l'appliquer, vous pouvez cliquer sur le petit bouton aperçu qui se trouve là. Et donc là, ça vous montre à quoi correspond l'effet que vous êtes en train de sélectionner. On peut faire ça avec tous les effets qui sont fournis dans Keynote. Hein, et ça vous montre comme ça les différents les effets possibles. Donc là, je vais utiliser clavier. Et donc pour appliquer un effet, je sélectionne son nom en cliquant dessus. Et là, j'ai appliqué l'effet clavier à mon texte. Alors on peut voir qu'on peut modifier différentes choses sur cet effet clavier, on peut modifier le sens. Donc je peux décider de l'afficher non pas vers l'avant mais vers l'arrière. Bon là c'est pas très joli, donc je vais rester sur vers l'avant. On peut décider d'afficher ou pas le curseur. Le curseur, vous voyez, il clignote avant que le texte démarre. Donc moi je trouve ça plutôt joli, donc je vais le laisser. Et puis ordre et apparition, on va pas y toucher, ça n'a pas d'intérêt pour le moment. Nous ce qu'on veut c'est que le texte apparaisse de cette manière-là, sans modifier les différents paramètres qui permettent de faire apparaître du texte par paragraphe, par groupe. Ça c'est quand on a un texte plus important qu'on veut faire apparaître sur une diapositive. On va rester comme ça. Donc là c'est parfait, j'ai mon numéro de diapositive, j'ai le texte de ma question qui apparaît. Si je me mets en mode lecture, je clique, ma question apparaît. Et voilà. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est modifier la manière dont cette animation se déclenche. Je ne veux pas qu'elle soit déclenchée via un clic, je veux qu'elle démarre dès que la diapositive démarre. Donc là, on va cliquer sur le bouton ordre de composition ici, dans le panneau animation. Et dans l'ordre de composition ici, on va sélectionner l'animation texte que je viens d'appliquer, l'animation clavier que je viens d'appliquer sur ce texte-là. Et dans les options de début ici, on va pas choisir au clic de la souris, mais on va choisir après la transition. Donc en gros, il a pigé qu'il n'y avait rien d'autre avant, donc il nous propose de démarrer après la transition. Ça donne quoi? Ça donne que dès que je lance maintenant mon diaporama, hop, la question démarre. Voilà. Bien. Ça, c'était donc notre premier élément, c'était le texte de la question. Je vais réduire un petit peu ma fenêtre, comme ça va nous permettre de garder la fenêtre ordre de composition ici. Vous allez voir qu'elle va devenir importante, cette fenêtre, assez rapidement. Voilà.
La seconde chose qu'on va vouloir faire apparaître, ce sont les quatre propositions de réponse, hein, parmi lesquelles l'utilisateur va devoir choisir. Donc on va utiliser à nouveau des formes prévues, enfin fournies par Canot. Donc je clique sur l'onglet figure ici, je vais choisir cette forme-là. Voilà, hop. Je vais tirer le bloc ici pour le positionner, pour lui donner une taille suffisante. Et on va le positionner à peu près à gauche, comme ceci. Voilà. Vous voyez qu'il y a une petite poignée verte là. Cette petite poignée verte, si je clique dessus, je peux comme ça forcer un arrondi plus important et comme ça augmenter cet arrondi pour faire une sorte de capsule, une sorte de pilule plutôt qu'un rectangle. Je trouve ça beaucoup plus joli, puis ça s'inscrira bien avec la réponse qu'on va afficher tout à l'heure. Alors ce petit bloc de couleur, je vais le dupliquer. Hop, j'appuie sur Alt et sur Shift pour dupliquer ce bloc. Voilà, on va les mettre à peu près comme ça. Voilà. Et je vais faire la même chose en sélectionnant cette fois-ci les deux blocs. Et je vais, en appuyant sur Alt et sur Shift, dupliquer les deux blocs pour faire les deux autres blocs qui vont contenir les deux autres réponses. On va animer ces blocs, on va les faire apparaître. Donc je vais sélectionner tous les quatre, comme ceci. On va aller dans l'onglet, donc l'onglet animation qui est là, et dans l'entrée, on va aller choisir un effet. Alors là, vous mettez l'effet que vous voulez, hein. Tout dépend de ce que vous voulez faire. On peut faire un truc assez classique, comme le balayage, comme ceci, voilà. Pourquoi pas, on peut faire le dépôt, non, ça c'est un petit peu pénible. La dérive non plus, la dissolution, le flou. Il y a plein de petites animations possibles, apparition subite, voilà, ça c'est bien, voilà. Apparition subite, ça me paraît bien. Alors je veux pas qu'elles apparaissent les unes après les autres, on va les faire apparaître les quatre ensemble. Donc je clique sur l'animation apparition subite, et donc cette apparition subite est appliquée à mes quatre blocs. Alors ce que je veux maintenant, c'est que ces quatre blocs apparaissent en même temps et après le texte de la question. Donc je vais commencer par le premier bloc, ici, qui est juste après le texte. Et ce bloc-là, je vais demander à Keynote de le faire apparaître après la composition numéro 1. Donc celle-ci, c'est la composition numéro 2, d'accord? Et après la composition numéro 1. Alors effectivement, là, c'est ce bloc-là qui est sélectionné, mais vous allez voir que ça n'a pas d'importance, comme on va les faire apparaître tous en même temps. C'est pas très grave qu'ils soient pas dans le bon ordre. Donc ici, je vais ensuite sélectionner les trois suivants, et je vais demander à ce qu'ils apparaissent en même temps que la composition précédente. Voilà. Et là, au final, eh bien, vous allez voir que si je lance ma présentation, j'ai donc ma question qui apparaît et mes quatre blocs qui sont apparus également. Alors, on pourrait choisir plutôt de faire apparaître celui-ci après le texte de la question. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire après la composition numéro 1. On va regarder la différence. Voilà, mon texte apparaît et mes quatre blocs apparaissent. Bien, maintenant qu'on a fait apparaître nos quatre blocs, il va falloir qu'on fasse apparaître nos quatre propositions de réponse. Donc pour ça, on va tout simplement à nouveau insérer une zone de texte. Cette zone de texte, donc je vais écrire réponse 1 par exemple, ici. On va modifier le format du texte, donc on va mettre une couleur blanche, on va augmenter le corps, on va le mettre à 60, je pense que ce sera pas mal. Ma petite police fétiche, comme d'habitude, voilà, là on est sur quelque chose qui doit être bien lisible, donc faut pas hésiter à mettre quelque chose d'un peu gras, on va aligner ça à gauche, et on va l'aligner en haut aussi, voilà, et donc ma réponse 1, voilà, je la positionne ici, et donc cette réponse 1, bah, c'est pareil, je vais la dupliquer, donc Shift, Alt, clic, je duplique, je vais sélectionner les deux, ici, et je duplique à nouveau, pour mes réponses. Donc ici j'ai la réponse 1, ici j'ai la réponse 2, ici j'ai la réponse 3, ici j'ai la réponse 4. Voilà. Alors c'est pareil, hein, ces quatre réponses, on va pouvoir les animer, on va les faire apparaître de manière un petit peu sympa. Donc je sélectionne mes quatre réponses ici et je vais dans mon onglet animation et je vais ajouter un effet d'entrée à nouveau. Ajouter un effet d'entrée, alors là je vais utiliser le cube que j'aime bien, donc si vous faites aperçu, vous voyez que ça apparaît sous forme de cube. Alors c'est pas très joli ça, vous allez voir qu'on va modifier le paramètre pour que ce soit plus sympa. Donc, je vais cliquer ici sur cube pour appliquer l'animation en question, et ce que je veux, c'est pas du tout de gauche à droite, mais de haut en bas. Vous allez voir que là, ça sera beaucoup plus joli, voilà, ça apparaît comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc là on va les modifier au niveau de l'ordre, parce que là pour le coup c'est important, donc la réponse 2 ici, elle vient
Après la réponse 1, 2, 3, 4, là c'est bon. Et alors ce qu'on veut, c'est que les 4, la réponse 1 apparaisse après l'apparition des 4 blocs. Donc je vais cliquer ici sur après la composition. Et les 3 autres réponses, par contre, on va les faire apparaître en même temps que la réponse 1. Donc là, je vous montre à quoi ça correspond maintenant. Hop, on a une autre question qui apparaît. Les 4 blocs et les 4 propositions de réponse. Bien, on a notre question, on a nos 4 propositions de réponse. Maintenant, il nous reste à afficher notre timer. Donc ce timer, on va le fabriquer avec les outils offerts par Keynote et les outils d'animation. Vous allez voir, ça va être extrêmement facile. Donc on va aller chercher une figure ici, hop, un cercle. Ce cercle, je vais le positionner en haut à droite ici, je vais l'agrandir un peu. Donc je vais appuyer sur ma touche Shift pour garder un cercle parfait. Voilà, et on va modifier l'aspect de ce cercle parce que là, évidemment, il ne nous convient pas. Donc je vais cliquer sur le cercle, je vais sur l'onglet Style ici, et au niveau de la couleur du remplissage, je vais indiquer que je ne veux aucune couleur. Par contre, ce que je veux, c'est une bordure, donc je vais choisir ici une bordure sous forme de ligne, et cette bordure, je la veux rouge, donc je vais choisir ici la couleur rouge, et puis on va augmenter considérablement son épaisseur. Non, 60 c'est trop, 40, non c'est trop aussi, 30, ouais 30 c'est pas mal. Et donc voilà, on a un cercle rouge, et ce cercle rouge, eh ben, il faut qu'il se dessine au fur et à mesure que les secondes passent, au fur et à mesure que le timer avance. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va animer ce cercle. Donc je vais cliquer sur mon cercle, je vais cliquer sur l'onglet Animer, et on va ajouter un effet d'entrée à nouveau. Donc ajouter un effet, et l'effet que je veux utiliser ici, c'est le tracé de ligne. Donc si vous cliquez sur Aperçu, vous vous rendez compte qu'on a exactement ce qu'on veut, hein. C'est ce que je veux que ce texte, ce cercle se dessine au fur et à mesure que le temps passe. Donc je vais cliquer ici sur tracé de ligne et j'applique mon effet. Alors, chaque question va bénéficier de 10 secondes, hein, pour que la personne propose une réponse. Donc ce qu'il faut, c'est que cette animation dure 10 secondes. Donc là, vous voyez qu'il y a marqué durée et direction. Donc on va modifier les 2 secondes et on va les mettre à 10 secondes. Voilà, et si je donne un aperçu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà nos 10 secondes qui sont parfaitement égrenées par notre timer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des numéros à l'intérieur de ce cercle, et on veut également que ces numéros, eh bien, égrènent le temps, hein, donc on veut 10 secondes qui s'affichent, donc 10, 9, 8, 7, 6, et ainsi de suite. Donc on va pour ça utiliser à nouveau la zone de texte. Donc je prends ce texte-là, je vais dans mon onglet Format texte, je vais lui donner une couleur blanche, comme ceci. On va l'augmenter un petit peu, on va le mettre à 50, 60 même peut-être. On va prendre une police, devinez laquelle. Toujours du Montserrat, toujours du Black. Je vais marquer 10 ici pour voir un peu quoi ça donne, ce que ça donne. Donc ça, c'est pas encore assez grand, donc on va l'augmenter, hein. Voilà, c'est pas mal ça, 100. Très bien. Et alors ce qu'on veut maintenant, c'est faire afficher, faire apparaître les 10 secondes de notre timer. Donc on va commencer par ici 0. On va commencer par 10 d'ailleurs, parce qu'on va égrener le timer à l'envers. Donc je vais prendre ici le chiffre 10. Et ce chiffre 10, eh bien, je vais le faire apparaître d'une certaine manière. Donc on va prendre l'onglet Animer ici. On va ajouter un effet. Je vais prendre le cube aussi, c'est pas mal le cube. Donc je prends le cube et pareil, on va le faire aller de haut en bas. Voilà, si je fais comme ça, hop, j'ai mon 10 qui apparaît, c'est super joli. Et on lui a donné une durée de vie de 1 seconde, c'est parfait. Ce qu'on va faire aussi, c'est que maintenant, il va falloir ajouter la disparition de ce chiffre. Donc une fois qu'il est apparu, eh bien, il faut le faire disparaître. Donc on va cliquer sur sortie. On va faire ajouter un effet et on va faire la même chose. On va mettre le cube. Où est-ce qu'il est mon cube? Il est là. Hop. Et on va le faire apparaître de haut en bas. Enfin, le faire disparaître, pardon, de haut en bas. Si je fais ça, hop là, il disparaît. Voilà. Je vais enlever le petit rebond. Vous voyez qu'il y a un petit rebond là au départ. C'est pas très joli ça. On va l'enlever. Hop. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il parte directement. Voilà. Si je vais sur mon animation d'entrée ici, que je regarde. Voilà, le petit rebond là. On peut l'enlever aussi, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on va commencer à travailler un peu sur notre timer.
Donc, on veut que le timer démarre automatiquement après que la dernière réponse soit apparue ici. Donc, je vais cliquer sur mon cercle là, et dans mon début d'animation, je vais choisir après la compo numéro 9. Donc, une fois que la réponse 4 est apparue, le cercle commence à égrener. Les deux qui sont ici là, les deux chiffres, eux, il va falloir qu'ils démarrent en même temps que le cercle. Donc, je vais cliquer sur la première animation ici, l'animation d'entrée, et je vais indiquer que ça doit démarrer avec la compo numéro 9. Et la sortie de ce chiffre-là doit démarrer uniquement après que le chiffre 10 soit apparu. Donc je veux faire apparaître le chiffre 10 et ensuite je veux qu'il disparaisse. Donc cette animation-là, je vais la faire après la composition précédente. Regardons ce que ça donne. J'ai mon numéro de diapo, j'ai le texte de ma question qui apparaît, les 4 blocs, les 4 réponses, et j'ai ici mon timer qui défile et on a vu apparaître le 10 qui est apparu et qui est sorti. Voilà. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de dupliquer ceci. Alors ceci, c'est notre texte et les deux animations qui y sont associées. Hein. Quand on clique ici, vous voyez bien que j'ai le bloc de texte et j'ai mes deux animations qui sont associées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des copier-coller. CTRL-C, CMD-C, pardon, CMD-V. J'en ai un là. Donc celui-ci, ça va être 0,9. Commande C, commande V, 0,8. Commande C, commande V, vous avez compris le principe, 0,7. 0,6. 0,5. 0,4. Je pourrais aussi utiliser clic et glisser hein, pour le dupliquer. 0,3, c'est un peu plus rapide. Voilà. 0,2. 0,1. Et 0,0. Voilà. Donc là, j'ai dupliqué ces chiffres-là avec les deux animations qui s'y sont associées à chaque fois. Donc si on regarde ça, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai bien mes chiffres qui apparaissent, hein, les uns après les autres. De fort jolie manière. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à positionner bah, tous ces chiffres au milieu de ce cercle. Donc pour ça, bah, on va tous les sélectionner, ceux-là. Hop. Je vais les aligner sur la droite avec ce chiffre-là. Donc aligner les objets à droite. Ah, j'ai oublié celui-là, pardon. Hop. Présentation, disposition, aligner les objets à droite. Et on va tous les aligner sur le haut du 10 pour que tout le monde prenne sa petite pose, sa petite place correctement. Aligner les objets en haut. Et voilà. Donc là, j'ai tous mes. Alors c'est pas très. Je pense qu'il y a un petit souci d'alignement quand même. On va les centrer. Donc je vais sélectionner tous mes chiffres ici. Et je vais faire disposition, aligner les objets au centre. Voilà. Et on va recentrer tout ça par rapport à notre cercle. Voilà. Là, c'est nickel. Et donc si je lance ma nouvelle diapo, j'ai le texte de ma question. J'ai mes 4 blocs qui apparaissent. J'ai mon timer qui s'égrène. Et voilà, c'est fini. On a les 10 secondes qui sont passées. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à afficher la bonne réponse. Alors, pour afficher cette bonne réponse, on a plusieurs possibilités. On pourrait mettre une petite coche comme je l'avais mise dans la précédente démo, la petite démo du début. Là, on va changer, on va simplement mettre un petit rond vert. Donc je vais utiliser ici les figures, je choisis ici un cercle. Je vais cliquer sur mon cercle, je vais dans l'onglet Format, je vais changer sa couleur. Voilà, on va mettre un vert qui pète bien comme ça. Ah, je me suis trompé, pardon, je suis pas au bon endroit. Voilà. Choisir ici un petit vert qui pète bien comme ça. Voilà, on va le positionner par exemple ici. Je vais le réduire un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc on peut par exemple indiquer. Alors c'est pas très joli ça. Peut-être plutôt du jaune. Voilà. On peut faire comme ça. Voilà. Hop. Voilà, j'indique ici ma bonne réponse. Et donc cette bonne réponse, bah, c'est pareil, il faut qu'elle apparaisse uniquement quand le timer
a fini son travail. Donc je vais animer l'apparition de ce cercle ici, et je vais choisir... On va prendre une animation qui tourne un petit peu, un truc un peu sympa. On va choisir tournoiement, par exemple. Non, c'est pas celle-là. C'est Toupie. Voilà, Toupie, c'est pas mal. Bon, là, on va prendre Toupie. Donc j'applique Toupie. Donc celle-ci, il faut qu'elle apparaisse après la dernière animation du timer. Donc je vais pas choisir au clic de souris, mais après la composition 32. Voilà. Et maintenant, si on regarde notre slide en entier, le texte de la question apparaît. Mes 4 réponses possibles. Notre timer avec les 10 secondes. Et voilà, le temps est écoulé. Et boum, la bonne réponse apparaît. On appuie sur la touche du clavier et on passe à la question suivante. Maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on va pouvoir éventuellement sonoriser un petit peu notre diaporama. Alors j'ai récupéré une petite musique, sur internet, sur un site avec des musiques libres de droit. Et on va s'en servir pour sonoriser notre diaporama. Alors il y a deux manières pour sonoriser un diaporama. Soit on va positionner le son sur la diapositive, et on va préciser au diaporama que le son doit être lu sur toutes les diapositives du diaporama, ou alors on peut aussi tout simplement cliquer sur la première diapo, là, sur l'onglet documents ici, et dans l'onglet documents ici, on va pouvoir choisir l'audio, et quand on est sur l'audio, on va pouvoir ici prendre le fichier audio et le glisser à cet endroit-là. Donc là, le son sera diffusé sur toutes les diapositives sans vous donner la possibilité de l'interrompre sur une diapositive en particulier. Alors, à vous de voir comment vous voulez faire. Une fois que vous avez choisi le son ici, vous pouvez modifier le module auquel ce son sera produit. Donc on peut baisser ici la musique de fond pour avoir quelque chose d'un petit peu moins envahissant. Voilà. Donc soit vous faites comme ça, soit vous positionnez directement le son sur votre diapo. Alors ce petit symbole n'apparaîtra pas, bien sûr, hein, quand on va lancer la diapositive. Par contre, si je lance ma diapositive... Ah oui, j'ai oublié de déclencher mon son, justement. Donc je vais cliquer ici sur le son... et sur ce son ici, alors hop, voilà, donc le son qui est ici, ce que je veux c'est qu'il démarre, pas au clic de souris, hein, mais qu'il démarre automatiquement, et on va donc lui préciser que ce fichier audio doit être lu sur toutes les diapositives. Alors l'intérêt c'est que lorsqu'on va changer de diapositive, le son ne va pas redémarrer, le son va continuer, la musique va continuer de diapositive en diapositive, et si sur une diapositive vous ne voulez pas de ce son, eh bien, il vous suffira d'enlever le petit symbole qui se trouve ici. Donc là, j'ai choisi de ne pas démarrer au clic, mais en autonomie. On peut demander ici une boucle, si on veut que la musique boucle, si la présentation est plus longue que votre musique, ça peut être intéressant de la faire redémarrer à la fin. Donc on peut choisir ici de la faire boucler. Et puis, on va donc lui demander de lire cet audio sur toutes les diapositives. Donc si je démarre ma diapositive... Alors, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi est-ce que j'ai pas mon son ? Pourquoi est-ce que j'ai pas mon son ? Tac, 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 tac. Hein, démarrer l'audio au clic de la souris ? Non. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, ça ? Répétition, répétition, répétition. Mais si, ça devrait marcher, ça, pourtant. Alors... Ah ben oui, forcément. Regardez dans ma palette ici, ordre de composition, il est tout en bas, donc forcément ça peut pas marcher, il faut vraiment le mettre lui tout en haut, en premier, hein, parce que c'est lui qui va démarrer, et ici on va modifier, alors comme j'ai mis le son en premier lieu, vous voyez qu'il a modifié la manière dont le premier texte va apparaître, la question, donc on va remettre ça, on va dire, avec la compo 1, on va changer à nouveau ce paramètre, il était repassé sur au clic de la souris, donc là je vais remettre avec la compo 1, de manière à ce que ça démarre en même temps que le son, et cette fois-ci, si je clique, vous allez voir que c'est bon. Alors c'est pas bon encore parce que mon son ne démarre pas automatiquement, voilà, mon son est au clic de la souris, donc là on va lui dire après la transition, donc il démarre automatiquement dès le début. Et voilà, nos 4 réponses, nos 10 secondes de timer, et la réponse qui apparaît, et voilà. Bien! Maintenant qu'on a ça,
eh ben c'est très facile de se servir de cette diapositive pour créer toutes les autres, puisqu'il suffit de la dupliquer. Hein. Quand on va dupliquer la diapositive, on va dupliquer à la fois son contenu et eh bien, toutes les animations qu'on a créées dans notre diapositive. La pieuvre est un animal fascinant, virgule, en effet, elle possède. Voilà, on peut ici poser notre question, et là on va commencer à mettre les différentes réponses. Donc 6 poumons, ici on va dire 4 bouches, ici on va dire 3 cœurs. Majuscule ici, voilà, et là on va marquer 8 yeux. Alors la bonne réponse ici, c'est pas 4 bouches, hein, c'est 3 cœurs. Donc je vais simplement prendre le petit cercle qui est là et je vais aller le positionner au bon endroit pour la bonne réponse. Et donc si je lis ma diapositive, la pieuvre est un animal fascinant, en effet elle possède 6 poumons, 4 bouches, 3 cœurs ou 8 yeux. Et elle a donc 3 cœurs. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va dupliquer la diapositive. Donc je fais ici un clic droit et je choisis dupliquer. Donc j'ai exactement la même diapositive et là je n'ai plus qu'à modifier la question et les réponses. Donc ici je vais indiquer le wombat fait des caca en forme de. Là on va marquer cube, pyramide. C'est le contraire, hop, pyramide, boule, grain de riz. Et alors la bonne réponse ici, je vous la prends, c'est cube. Effectivement, le wombat est un petit mammifère australien qui fait des caca en forme de cube. Et là, à partir de maintenant, si je reprends ma diapositive depuis le début, que je la lance, on a donc bien notre première question. La pieuvre est un animal fascinant, blablabla. On va attendre les 10 petites secondes qui vont s'égrener avec notre petit timer en haut à droite. Voilà. La bonne réponse va apparaître, donc 3 cœurs. Et voilà. Et là, on peut passer à la question suivante. Le wombat fait des caca en forme de cube, pyramide, boule ou grain de riz. Vous connaissez la réponse, mais je pense que vous allez en coller plus d'un avec ça. Et oui, ce sont des cubes. Et là, la réponse apparaît au bon endroit. Voilà, vous l'avez compris, il suffit maintenant de dupliquer les diapositives autant de fois que vous avez de questions dans votre quiz. Et bien, amusez-vous bien. C'était Noël, ben, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous inscrire à ma lettre de diffusion si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous une très agréable fin de journée et je vous dis à bientôt. Restez curieux, bye bye.